c'est toi? Bah, je sais pas, Gus, j'y vois plus rien. Oh non, d'un petit bonhomme, oh. Je vois plus rien. Bizarre, moi non plus. C'est trop noir. Misère! Pour des raisons qui nous sont encore inconnues, le circuit se retrouve plongé dans l'obscurité. Nos concurrents ne voient plus où ils vont. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il fait si noir tout à coup? Quelqu'un a dû s'emparer de toutes les lumières. Hé, regardez là-bas. C'est un kangourou sauteur. Des lumières par ici, des lumières par là, toutes les lumières sont en bas. Nom d'un pneu, ce kangourou est en train de voler toutes les lumières. C'est une voleuse de lumière. Pour attraper quelqu'un alors qu'il fait sombre, on va avoir besoin de lumière. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je t'ai équipé de panneaux électroluminescents super puissants. Oh, wow! Mazette! Grâce à ces marquages lumineux, tu peux voir dans la nuit. Ouais, je suis un bolide lumineux. Trop fort! Maintenant, rattrapons cette voleuse de lumière et remettons les lumières à leur place. Une fête foraine! Il y a plein de manèges et une grande roue. Encore de lumière pour le kangourou! Comme celle-là! Et celle-là! Regarde, la voilà! Ça suffit, petite voleuse de lumière! Rends-nous toutes ces lumières! Oh oh! Je ne peux pas rendre les lumières! Je décolle! Nom d'un écrou! Je n'y vois rien, je ne sais pas par où elle est partie! Cette fête foraine est tellement vaste! Comment on va la retrouver? Moi je dis qu'on peut vous aider! Voilà nos amis! Et ils ont tous des panneaux électroluminescents! On brille de mille feux! Gabi nous rend tout lumineux! Ça nous permet d'essayer d'attraper la voleuse de lumière tous ensemble. Je suis sûre que cette petite voleuse de lumière se cache dans le coin. Augmentation de l'intensité. Où se cache la voleuse de lumière? Au milieu des peluches. La voleuse de lumière s'enfuit. Non, pas cette fois. Attraper la voleuse de lumière. Allez, petite voleuse de lumière, il est temps de rendre toutes ces lumières. Non, désolé, je ne peux pas rendre ces lumières parce que j'en ai trop besoin. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant de lumière? Parce que sans les lumières, il fait tout noir. Et moi, j'ai peur du noir. Oh, alors tu as peur du noir? Je comprends mieux pourquoi elle a volé toutes ces lumières. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. C'est tout à fait normal d'avoir peur du noir. Oui, c'est vrai, tout le monde a peur de quelque chose. Mais tu n'es pas obligée d'avoir toutes ces lumières pour te rassurer et te sentir mieux. Tu sais, parfois il suffit d'une toute petite lueur pour chasser la peur. Oh, vous avez vu, une mini lumière rien que pour moi. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je crois bien que c'est fini, je n'ai plus peur. Maintenant j'y vois clair. La peur est partie, une petite lumière, ça me suffit. Alors la famille, prêt à rouler? Oh oui! Évidemment qu'on est prêt. Ma première course, j'ai tellement hâte. Ne commencez pas à vous emballer, la famille Blaze, parce que tout le monde sait que c'est moi qui vais gagner cette course. Ça, c'est ce qu'on verra, accrocheur. Pas vrai, la famille? Oui. Tout à fait. Ils ont chopé les moteurs. À vos marques. Prêt?
Je veux pas laisser Blaze et sa famille franchir la ligne d'arrivée avant moi. Je dois les arrêter avec la plus grosse tricherie de toutes. Je vais... faire un robot lanceur de tacos. Oh, attention. Oh, attention. Nom d'un boulon, ces tacos sont vraiment énormes. Il doit y avoir un moyen de réussir à les contourner. On peut pas abandonner maintenant. Attendez la famille, je viens d'avoir une idée. Laquelle, Blaze? On pourrait construire une machine suffisamment puissante pour détruire ces tacos géants. Oui, je sais exactement quelle machine il nous faut pour détruire des gros objets lourds. Une grue avec une boule de démolition. Je suis une grue de démolition. Monster Machine. Ça te va bien, Blaze? Merci. Allez, en voiture, AJ. Oui, il est temps de détruire des tacos. Très joli coup, Blaze. Merci, ma famille. Maintenant, suivez-moi. Blaze, là! Le robot s'apprête à envoyer d'autres tacos géants. Non, Tundurite, il y en a beaucoup. Je me demande combien de tacos nous aurons à détruire. Je sais quoi faire, Blaze. Il faut une estimation. Oui. Devine combien il y a de tacos. 4 ou 8? 4. Il va donc nous falloir environ 4 coups. Je crois que tu auras besoin de l'aide de... Maman Grue de démolition. Bien joué. Quel joli coup. Et regardez, on a presque réussi à dépasser ce robot lanceur de tacos. Mais il s'apprête à en lancer une dernière fois. Devine combien il y a de tacos cette fois-ci. 5 ou 10? 10. Ouais. 10 tacos. Ça va nous demander beaucoup de démolition. Ne vous inquiétez pas. Démolition égale grue de démolition est là. Rien ne peut nous arrêter lorsqu'on s'y met ensemble, parce que nous sommes la... famille Blaze! Nom d'un boulon! Crusher est bientôt à la ligne d'arrivée! Ne vous en faites pas, on peut encore le battre, parce qu'on a quelque chose que les autres familles n'ont pas. La vitesse explosive! Vitesse explosive! Vitesse explosive! J'espérais que tu allais dire ça! Oh oui! Force Blaze! Oh, wow! Crusher est toujours en tête, mais Blaze et sa famille arrivent à toute vitesse! Jouez, mes chéris, je suis vraiment fière de vous. Oh, oh, moi aussi. C'était vraiment une très grande course. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a gagné ensemble en tant que famille. Configuration voiture de course. Pneus de circuit. Turbo compresseur. Forme aérodynamique. Pour me transformer en voiture de course, dis voiture de course. Voiture de course! Oh, oh! Ouais! Génial! Wahoo! Il faut absolument que j'essaie ça! Darlington! Ah, ah! Je suis une voiture de course! Ouais!
faites chauffer le moteur. Vérifiez vos amortisseurs. Ne vous arrêtez surtout pas avant d'atteindre le rocher de l'aigle. À vos marques. Prêt. Partez. Voiture de course en action. J'adore, j'entends les oiseaux gazouiller. Et moi, j'entends les grenouilles coasser. Zeg, entendre la scie couper. Une scie? Mais qui pourrait bien scier en plein milieu d'une course? Crocheur! Je suis sûr que vous allez être scié. Scié. C'est pas vrai! Il y a beaucoup trop de courant dans cette rivière! Oui, donc on s'éloigne de plus en plus de la course! Comment s'arrêter? Il faut qu'on trouve quelque chose qui pourra nous servir d'encre! Ouais! Quand un bateau met son ancre à l'eau, l'ancre s'enfonce dans le sol et ralentit le bateau! Hé, les amis! Je sais ce qui peut nous servir d'encre! Une clé anglaise! Bonne idée, Starla! Testons et voyons si la clé anglaise nous fait ralentir. C'est parti! Regardez, la clé anglaise s'enfonce au fond de la rivière. Nous ralentissons! Vérifions notre vitesse. Avec la clé anglaise comme ancre, notre vitesse a diminué jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 8. Chouette! Mais pour nous arrêter, nous devons ralentir notre vitesse jusqu'à 0. Alors, essayons autre chose. Il faut qu'on trouve une autre ancre. Quelque chose qui va s'enfoncer très profond. On ferait mieux de se dépêcher parce qu'on se dirige tout droit vers cette cascade! Les amis, et si on se servait de ça comme ancre? Oui, une pelle! Ouais! Je parie qu'elle va vraiment s'enfoncer très profond. Une pelle à l'eau! Ouh! Pelle creusée profond! Vous avez vu? Ça fait diminuer notre vitesse jusqu'à ce chiffre! Quel est ce chiffre? 0! Regarde! On s'arrête! Ouais. Super! Ouh. Hey, et regardez ce qu'il y a en bas! C'est la piste de course! Allez, venez les amis, suivez-moi! Wouhou! Regardez! Le voilà, le rocher de l'aigle. Waouh! Désolé les escargots, mais vous ne remporterez pas cette course. Oh, c'est pas vrai! Crocheur approche de la ligne d'arrivée. On dirait que c'est l'heure de la vitesse explosive. Ouais, ouais! Pour nous donner de la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhou! C'est la ligne d'arrivée! Je vais gagner! On a gagné la course! Oui, et encore mieux, nous avons réussi tous ensemble. Voiture de course! On accélère! Doubidou, doubidou, ouais, doubadou. Oh. Ouais, salut beau gosse. Wow, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le droit d'aller aussi vite. Normalement, ça devrait être la seule à pouvoir le faire. Eh bien, puisque personne ne veut m'écouter, alors je me chargerai personnellement de les arrêter avec mes sabots de roue. Oh, c'est le moment d'en essayer un. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? J'avance plus! J'avance plus! Ouais, y a aucun doute, j'ai réussi à l'arrêter!
Et je compte bien mettre des sabots sur les roues de tous les habitants de cette ville. Ouais, et je serai le seul qui pourra aller à toute vitesse. Oh oh, regarde! Spidéric est en train de poser des pièges! Hey! Mais qu'est-ce que c'est? Hey! Oh non! Il faut qu'on les aide! Ah, je n'arrive pas à le retirer! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des sabots de roue! Et le seul moyen de les enlever, c'est de les ouvrir, avec une clé. La clé est forcément ici, quelque part. Aide-nous à la trouver. Où vois-tu une clé? Elle est là! Oh! Tu veux dire ça? Oh non! Il est en train de s'enfuir. Ne vous inquiétez pas, les amis. On va récupérer cette clé. Allons-y! Spidéric, il est là-bas! Il se dirige vers la montagne! Ce n'est pas une montagne! C'est un volcan! Un volcan! Il faut absolument qu'on récupère la clé avant qu'il arrive au sommet! AJ, appuie sur le champignon! Salut, Spidéric! Ah, tu es là? Oh, c'est pas possible! On est venu récupérer la clé, Spidéric! Ah ouais? Eh ben vous l'aurez jamais parce que je suis trop rapide pour vous! Tu t'en souviens pas? Tu m'as peut-être déjà battu, mais ça ne se reproduira pas cette fois. Car maintenant, j'ai une forme aérodynamique! C'est terminé, Spidéric. Maintenant, tu vas nous rendre cette clé. Hein, t'es peut-être devenu plus rapide que moi, mais tu peux toujours rêver pour que je te la rende. Il a jeté la clé. Elle va atterrir dans la lave. Il n'y a qu'un seul moyen de l'attraper à temps. On a besoin de la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Et... attrapé! Wouhou! Ouais! Il ne nous reste plus qu'à rapporter la clé à nos amis! Yahoo! Swoops! Hey, hey! Salut les héros! Vous avez peut-être besoin que je vous ramène? Swoops, tu arrives tout pile au bon moment! Prochain arrêt, Vélocitéville. Les amis, regardez, là-haut. Blaze et Edge sont de retour. Et on a récupéré la clé. Super! Et voilà! C'est qui le meilleur? C'est Blaze! 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 Préparez-vous pour une grosse explosion et pour... la combustion! On assure! On a réussi! Encore une dernière explosion et ce sera bon! Avec une petite explosion à l'intérieur du canon, on atterrirait ici. Et avec une grosse explosion, on atterrirait ici. Pour atteindre la terre ferme, devons-nous provoquer une petite explosion ou une grosse explosion? Une grosse explosion! Bravo! Tenez-vous prêts pour la dernière grosse explosion et pour la combustion! Attention à l'atterrissage! On y est arrivé! Ouais!
On a réussi à traverser le lagon en croco. Oui, et on est arrivé comme des boulets de canon. Prenez garde, voici le pic des pirates. Oh, c'est drôlement raide. Il faut trouver un moyen d'aller jusqu'en haut et monter avant que les longues cornes nous retrouvent. Hé, hey, vous savez ce qui pourrait nous emmener en haut super vite? Une fusée. Oui, les fusées se servent du processus de combustion pour générer une énorme explosion qui les envoie super haut dans les airs. Et voilà, je suis une fusée Monster Machine. Nom d'un petit bonhomme, c'est vrai, tu t'es transformé en fusée. Oh oh, les pirates longues cornes. Les revoilà. Venez, il est temps de décoller, les amis. La combustion se produira dans 5 secondes. Compte avec nous, en partant de 5. 5, 4, 3, 2, 1, combustion. Maintenant, on peut enfin chercher le trésor. D'après le dessin de la carte, le trésor est enterré sous une grosse croix. Ouais, un X indique toujours où le trésor est caché. Il doit y avoir un X quelque part autour de nous. Où est-ce que tu vois un X? Oui, il est là. Le trésor est enterré à cet endroit. Creusons pour le récupérer. J'ai une idée. On pourrait utiliser la vitesse explosive pour creuser et déterrer le trésor super vite. Pour m'aider à creuser super vite, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Regardez, le voilà, c'est le trésor. On l'a trouvé. Hop là. On a les meilleurs. On a trouvé le trésor. Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, c'est parti. Waouh. Wow. Oh. Nous, on t'en écrou. Le trésor se transforme en un circuit géant. J'en crois pas mes yeux. Une piste en or pour faire la course. Nom d'un petit bonhomme. Allez, tous sur la piste du trésor. En avant, Moussaillon. Allons faire un tour de piste. Ouais. Oui, bonne idée. À vos marques. Prêt, tu perds la boule, Blaze. Tu perds la boule. C'est pas vrai. Maintenant, les autres participants ont beaucoup d'avance sur nous. Ne t'inquiète pas, AJ.
Ce n'est pas une petite boule de neige qui va nous arrêter. On va régler ça en utilisant la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! C'est parti! Mets les gaz, ça va vous décoiffer. Démarre, mets la gomme. 3, 2, 1, partez. Allez, plus vite. Pied au plancher, on accélère. Fonce Blaze, fonce Blaze. Toujours plus vite, on prend l'air. Fonce Blaze, allez, fonce Blaze. Attention, voilà Darrington! Oh, Darrington! Oh, je ne peux pas le laisser me dépasser! Je dois absolument l'arrêter! À moins que je ne laisse ces ours blancs l'arrêter à ma place! Gentil petit nounours blanc, il faut se réveiller! Du calme, les ours polaires! Les gentils petits ours polaires! Oh, oula! Oh, qu'est-ce qui se passe? Nom d'un ange Oliver! Darrington a des soucis! Darrington! Vite, par ici! Merci, les gars. Mais de rien, Darrington. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Hé, hey, vous avez vu ça? Une piste glacée. Oh! Voilà ce qui va nous ramener dans la course. Ouais! Allez, Darrington, suis-moi! Faites attention! La piste de glace se divise en deux! On dirait qu'une route continue, alors que l'autre mène à... un ours polaire! Ah! Oh là là! Il faut absolument qu'on évite cet ours polaire! Pour l'éviter, quelle route devons-nous choisir? La route violette ou la route orange? La route violette, oui! Ouais! Les gars, on a presque atteint la sortie de la grotte. Mais d'après ce que j'entends, nous avons encore un ours blanc à éviter. Quelle route devons-nous emprunter? La route jaune ou la bleue? La route bleue. Ouais! Darrington! Trop génial! On a réussi! On peut dire qu'on forme une super équipe. Ça, c'est sûr. Du moment qu'on reste ensemble, rien ne peut nous arrêter. Voiture de course, faites rougir votre moteur! Regardez, une fontaine! Si personne ne les arrête, ces jets d'eau vont continuer à inonder le circuit. Je vais le faire, mais il me faut mes skis pour le ski nautique. Yeah! Wow! Vas-y, Gabi! Allez, il est grand temps d'arrêter ces jets d'eau! Gabi a coupé l'eau de la fontaine! Bien joué! Continuons comme ça! Il reste encore plusieurs fontaines à éteindre! Dès que tu aperçois une fontaine, dis fontaine! Fontaine! Wow! Belle acrobatie, Gabi! Continue à bien regarder. Lorsque tu vois une autre fontaine, dis fontaine. Fontaine. Bravo.
Bravo! Plus qu'une fontaine et tu as fini. Allez, dès que tu vois la dernière fontaine, dis « fontaine ». C'est du beau travail, Gabi. T'as réussi à arrêter toutes les fontaines. Et regardez, l'eau est en train de descendre. Mission accomplie. Hourra! Allez, on repart. On a un grand prix à remporter. Ouais Regardez, c'est Crusher. Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée. Accrochez-vous bien, j'accélère pour le rattraper. Oh non! Blaze et ses amis sont juste derrière moi. Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour. Oh! Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler cet aimant géant! Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière! C'est cet aimant géant derrière nous. Waouh, cet aimant est drôlement puissant. Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite. Voilà, j'augmente la vitesse de rotation des roues. C'est parti, je la règle à 100. Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite. Il faudrait utiliser la vitesse explosive. Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, la vitesse de rotation des roues a atteint 60! 70! 80! 90! 100! Fonce Blaze! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! Je reprends ça! Hein? J'ai enfin récupéré ma télécommande. C'est la ligne d'arrivée. L'équipe de Blaze a gagné. L'équipe de Blaze a remporté le Grand Prix d'Axel City. Bravo, vous êtes trop fort. Wow, les amis, on a réussi, on a gagné. On forme une bonne équipe. C'est une belle victoire. C'est vrai, alors fêtons-la dignement. Regardez les amis, ce panneau indique que nous avons parcouru 50 km. Wow, c'est énorme. Ça veut dire qu'on est à mi-parcours. Et on ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé. Hein les amis? Ouais. Ça c'est sûr. Un liquide qui passe dans des tuyaux et une pompe permet le basculement d'une belle à ordure. De l'huile, de l'eau, donne l'énergie. Force. Le système hydraulique, un liquide crée une force et un mouvement. Le système hydraulique de nos machines, une force étonnante. Un fluide sous pression effectue un travail mécanique. Système hydraulique. Wow. Oh non, la route est toute cassée. Vous savez ce qu'on dit, ça passe ou ça casse. Et là, on dirait que ça a cassé. Il faut qu'on passe de l'autre côté, sinon on n'arrivera pas au bout des 100 km. Hé, hey, regardez en bas. Des morceaux de la piste flottent dans l'étang. Je parie que si on retrouve les bons morceaux, on pourra s'en servir pour réparer la piste. Pour réparer ce premier tronçon de route, il nous faut un morceau avec un côté pointu et un côté arrondi. Quel morceau a un côté pointu et un bord arrondi de l'autre côté? Ce morceau-là, oui! Mais comment on va faire pour le sortir de l'étang? On peut vous aider! Yahoo!
Vous avez l'air d'avoir besoin d'un coup de main. On va remonter ce morceau de piste. Swoops animaux. Ouais. La piste est réparée. Hé, regardez. Ce panneau montre que vous avez parcouru 75 km. Waouh. Plus que 25 km à parcourir. Merci Gabi, merci Swoops. Vous nous avez donné un sérieux coup de main. Oh, c'était avec plaisir. Bon courage pour parcourir les derniers kilomètres. Blaze, méfie-toi. Oh, nom d'un écrou. Cette drôle d'araignée nous a emprisonnés dans sa toile. Je suis pris au piège. Hé, hey, mais d'où elle vient cette toile? Oh non, Blaze, à l'aide! Oh, il faut qu'on arrive à sortir de cette toile d'araignée et qu'on aille aider nos amis. La toile ne cédera pas, elle est bien trop solide. Alors, on va utiliser une machine très puissante. Une machine à système hydraulique. Bonne idée! On va fabriquer un écarteur hydraulique. Cet engin a beaucoup de force. Allez, passons à la fabrication. D'abord, il faut réaliser la pince de l'écarteur. Ses mâchoires poussent fort et peuvent casser un objet. Pour réaliser la pince de l'écarteur, dis... pince de l'écarteur! Pince de l'écarteur! Passons maintenant au système hydraulique. Il va donner de la puissance à l'écarteur. Pour fabriquer le système hydraulique, dis système hydraulique. Système hydraulique. Oh ouais! Je suis un écarteur hydraulique Monster Machine! Allez, vas-y Blaze. Essaie de casser cette toile d'araignée. Ça marche! Ici! Blaze! Vite, AJ! Allons libérer les autres voitures de course! Beau travail, Blaze! Wow! Je suis libre! Tu nous as sauvés! On va construire les éléments pour que je devienne une catapulte! Premièrement, on a besoin d'un récipient pour y mettre les bombes à eau. Pour fabriquer le récipient, dis récipient. Récipient! Super! Maintenant, il nous faut une poutre qui se balance quand on lance quelque chose. Pour fabriquer la poutre, dis poutre. Poutre! Pour finir, l'élément le plus important, l'élastique. Quand on tire sur l'élastique, il emmagasine l'énergie potentielle qui est nécessaire pour lancer. Pour fabriquer l'élastique, dis élastique. Élastique. Oh, ouais. Je suis une catapulte Monster Machine. Messire Blaze, nous avons rempli tous les ballons avec de l'eau. Oui, ils sont prêts pour la catapulte. Bon travail, les chevaliers. Allez, je vais partir à l'assaut de ces dragons enflammés. Oui. Hurrah! Oui! Bonne chance, Monsieur Blaze! Tirons sur l'élastique! Grâce à ça, on a assez d'énergie potentielle et on est prêt à tout lancer! On dirait bien qu'un dragon se dirige par ici, mais je ne le vois pas. Aide-nous à chercher le dragon. Quand tu vois le dragon, dis « dragon ». Dragon! Touché! Joli coup, Messire Blaze! Attention, j'ai l'impression que plusieurs dragons viennent par ici! On va utiliser la catapulte pour arrêter tous les dragons avec les bombes à eau! Dès que tu vois un dragon, dis dragon! Dragon! Dragon!
reste plus qu'un seul dragon enflammé. Dès que tu vois le dernier dragon, crie dragon. Dragon! Ouais! On les a tous neutralisés! Blaze, regarde! Crusher est presque à la ligne d'arrivée! Il faut qu'on le rattrape! On va utiliser la vitesse explosive! Pour me faire atteindre la vitesse explosive et me faire aller encore plus vite, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Bien le bonjour, messire Crusher! Quoi? Encore toi? On dirait que c'est l'occasion de savoir qui va le plus vite, une bonne fois pour toutes! On se retrouve sur la ligne d'arrivée, messire Blaze! Ça va le ralentir à coup sûr. Une boule debout, attention. Cette fois-ci, tu ne mourras pas. Oh non. Oh. Le grand gagnant de la course royale est Messire Blaze. Hourra! Tu as gagné! Une victoire amplement méritée, preux chevalier. Tu es un champion au cœur pur. Hein? Le roi. Oh, le roi. Oyez, 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 oyez! Puisque vous êtes le gagnant de la course royale, j'ai le grand plaisir de vous remettre, messire Blaze, oh, le trophée de l'épée dorée. On est presque arrivé au moteur à vitesse explosive. Si on continue comme ça, on devrait y être dans... Oh. Oh, oh. On dirait qu'il nous faut un autre moyen de propulsion. Je suis sûr qu'en regardant autour de nous, on peut en trouver un nouveau. Hé, hey, servons-nous du vent. Il peut nous aider à nous propulser. Le vent, ouais. Certains véhicules, comme les bateaux à voile, se déplacent grâce au vent. Celui-ci pousse la voile et produit une force qui permet au bateau de bouger. Wouhou! Je suis un catamaran Monster Machine. Wouah! Testons la propulsion obtenue grâce au vent. Elle se passe tout en douceur, cette traversée en catamaran. Attention, un crocodile. Le crocodile va nous rattraper. Le crocodile se déplace à la vitesse de 5 km par heure. Et je me déplace à 3 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile, parce que 5 est supérieur à 3. Il nous faut plus de propulsion pour avancer plus rapidement. Vite, hissons une deuxième voile. Tu as vu ça? Grâce à la deuxième voile, j'avance à 7 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Eh ouais! Wouhou! Oh non, Blaze, regarde! C'est sur cette montagne que ton moteur a atterri. On ne peut pas y aller en naviguant. Mais on peut peut-être y aller en rebondissant. Génial! Propulsion au ballon de plage! Crusher a presque atteint le sommet. Il va bientôt s'emparer du moteur à vitesse explosive. Il faut absolument que je récupère mon moteur avant que Crusher n'y arrive. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas rouler.
pas moyen de rouler, mais peut-être que je peux voler. Voler? Je peux obtenir la propulsion nécessaire grâce à ces rotors. Wow! Vite, allons les chercher! Le moteur à vitesse explosive, rien que pour moi. Quoi? Désolé, Crusher, tu ne peux pas prendre ce moteur, il est à moi. Hey! Oh! Non, 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 non! Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est remettre le moteur à sa place. Magnifique! Oh, ouais! Tu peux être fier de toi! Tu as enfin récupéré ton super moteur à vitesse explosive! Ça vous dit de refaire un petit tour? Mais avec la vitesse explosive cette fois! Pour me donner la vitesse explosive, dis Force Blaze! Force Blaze! Ah, aucun doute possible, c'est la vitesse explosive! Force Blaze! Charge électrique maximale! Électricité, un peu d'énergie, électricité, ça envoie! Des petites particules, les électrons créent l'énergie en se déplaçant. Le courant électrique à travers tes fils, le courant circule, alimentant nos appareils. Y'a qu'à se brancher, y'a qu'à se brancher, ça va s'allumer. 1, 2, 3, wouh! Électricité, un peu d'énergie, électricité, yeah yeah. Pas de chance, il y a un embouteillage droit devant. On ne peut pas se permettre d'être pris dedans. Il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de le contourner. Blaze, Watts, regardez, un souterrain. On pourrait le prendre pour passer sous ce gros embouteillage. Ce serait idéal, en avant. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il fait sombre là-dedans? Je n'y vois rien du tout. Je peux arranger ça. Charge électrique maximale. Nom d'un ange, Oliver! On est dans une station de métro! Waouh! Trop classe, les voies! Ce sont des rails spéciaux qui alimentent en électricité les rames de métro pour les faire avancer! Il y a du courant qui passe dans les voies du métro! Quand les essieux entrent en contact avec les rails, l'électricité fait marcher le moteur et la rame peut rouler! Super! L'électricité, on en a! La seule chose qui nous manque, c'est une rame! Ça y est! Je suis un wagon de métro! Monster Machine! Wow! Ouais! C'est vraiment génial! On va rattraper AJ et Gabi en un rien de temps! Oh oh! Tu vois ce que je vois? Il y a du matériel qui bloque le passage sur la voie! Vite, Blaze! Il va falloir que tu sautes sur une autre voie! Aide-nous à choisir la voie sur laquelle on doit aller! Laquelle des trois n'a pas d'obstacle? La voie jaune? La bleue? Ou bien la rouge? La rouge! C'est bien ça! Il n'y a rien qui gêne dessus! Cramponne-toi, Watts! Et voilà! Ça recommence! Il faut choisir laquelle?
la voix jaune. À toi de jouer, Blaze. Y'a qu'à demander. On a réussi à passer. Mesdames et messieurs les camions, le moment tant attendu est arrivé. Place à la course. Bien, est-ce que les concurrents sont prêts? Moi, oui, de toute façon, il n'y a que moi. À vos marques, prêts? Stop, attendez une seconde. Non, on n'attend pas. Se pourrait-il que... J'espère pas. Oh, voilà Blaze et LJ, ainsi que Watts et Gabi. Oh, ils sont de retour. Concurrents, à vos marques. Attention, prêts? Moi, je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant. Crusher a mis un barrage sur la piste. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. Hey Jay, Gabi, appuyez sur le champignon. Quelle performance électrisante! Une course sous haute tension du début à la fin. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces champions ne manquent pas de jus. Laissez Blaze me passer devant. Il faut que je le ralentisse. Mais comment faire? Il ne pourra jamais finir la course si ses petits crabes endormis lui barrent la route. Coucou les petits crabes. C'est l'heure de se lever. Blaze, je crois que mes petits amis veulent te serrer la pince. Attention, Blaze! Une colonie de crabes! Oh, faisons un demi-tour! Ces crabes ont l'air de mauvais poils! Comment on va pouvoir les contourner? Attends, moi j'ai peut-être une idée! Si on leur préparait une petite collation! Oui, ils ne s'occuperont plus de nous s'ils sont occupés à manger. Justement, on peut leur faire du pop-corn grâce à cette machine à pop-corn. Mettons-la en marche. Hein? Oh, il ne se passe rien. Ah, je comprends pourquoi. Il faut d'abord qu'on répare ce circuit pour qu'elle puisse remarcher. Oui, l'électricité a besoin d'un circuit pour se déplacer dans une machine et pour la faire marcher. Un circuit commence avec une source d'énergie, une batterie par exemple. L'électricité part de la batterie jusqu'à la machine grâce à un conducteur, puis grâce à un autre conducteur, elle retourne à la batterie. Maintenant que l'électricité peut se déplacer en boucle, elle permet à la machine de fonctionner. C'est ça un circuit. Je crois que je vois pourquoi cette machine à pop-corn ne fonctionne plus. Il manque un morceau de conducteur au circuit. Alors pour le réparer, essayons de trouver un morceau qui soit long et droit. Là ! Il y a deux morceaux qu'on peut utiliser. Lequel de ces deux morceaux est long et droit? Celui-là! Oui! Ah. Ouais!
La machine remarche parce qu'on a réparé son circuit. Maintenant que l'électricité passe, la machine va refaire du pop-corn. Et les crabes ont l'air de beaucoup apprécier. La ligne d'arrivée, elle n'est plus qu'à quelques mètres. Je vais gagner la poursuite de minuit. Non, je ne peux pas laisser tout le monde me rattraper maintenant. Il me faut une ultime tricherie. Comme par exemple... ce levier pour actionner le pont basculant. Attention, le pont est en train de se lever. Je crois que cette fois, c'est sûr, c'est moi qui vais remporter la course. Oh non! La seule façon d'atteindre la ligne d'arrivée, c'est de faire un grand saut. Mais c'est un saut extrêmement périlleux. Eh, mais on peut le faire, les Monster Machines. Pour ça, il suffit de rouler super vite et de sauter à la vitesse explosive. Génial! Pour qu'on aille tous ensemble à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! On a réussi! On a gagné! Et quelle conclusion! Fantastique! Et maintenant, pour les vainqueurs de la poursuite de minuit, voici le trophée scintillant dans la nuit! Tiens bon, Starla! Merci, Blaze! Je l'ai échappé belle! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on essaye de rouler sur ces vieux rails de chemin de fer, on va tomber dans le vide! Ces rails ne sont pas faits pour les Monster Machines. Pour rouler dessus, il faudrait une locomotive à vapeur. Mais oui! Une locomotive à vapeur est un train qui se sert d'eau bouillante pour avancer. À l'intérieur de la locomotive, il y a un foyer qui fait chauffer l'eau dans la chaudière pour lui faire atteindre 100 degrés. Ensuite, la vapeur générée par l'eau bouillante actionne des pistons qui vont faire avancer le train. Allez, c'est parti! Fabriquons une locomotive à vapeur pour rouler sur ses rails! Tout d'abord, on a besoin d'un foyer. C'est la partie qui va faire chauffer l'eau. Pour fabriquer le foyer, dis... foyer! Foyer, oui! Ensuite, il nous faut une chaudière. C'est la grosse cuve qui contient l'eau qui va chauffer et bouillir. Pour fabriquer la chaudière, dis chaudière! Chaudière! Et maintenant, il ne nous manque plus que les pistons. Lorsque l'eau bouillante finit par se transformer en vapeur, elle pousse et actionne les pistons pour que le train se déplace. Pour fabriquer les pistons, dis piston! Piston! Ah ouais! Je suis une locomotive à vapeur! Monster Machine! Waouh! Tout le monde à bord! Vas-y, fonce à toute vapeur! Ouais! Et nous voilà à nouveau sur les rails! Blaze, watch out! The rail split up ahead! One way leads to a dead end. Vite, aide-moi à choisir quel chemin emprunter. Doit-on emprunter le chemin qui descend ou celui qui monte? Celui qui monte, oui. Super, on a choisi le bon chemin. Attention les copains, les rails vont encore former deux voies. Doit-on emprunter le chemin qui monte ou celui qui descend? Le chemin qui monte, c'est ça. On a réussi à aller au bout du chemin de fer rouillé. Prochain arrêt, l'extraordinaire circuit du taureau furieux. On a assuré. On a réussi.
Ça alors, j'en perds mon chapeau de cow-boy. Le voilà. C'est le circuit du taureau furieux. Wow. Bon, ben je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Et à quoi tu penses, Starla? À affronter le grand taureau. Yeah. Ah, hop. Attention, prêt? Feu! Parti! Sensation forte garantie sur le circuit du taureau furieux. Ça, tu l'as dit. Une chose est sûre, c'est bien le circuit le plus sensationnel de l'Ouest. Valide de l'espace, démarrez vos moteurs à propulsion. C'est la course interplanétaire. Oh, oh, oh. Vol dans l'espace. Au milieu des étoiles avec Blaze, le vaisseau spatial. Oh, oh, oh. Vol dans l'espace. 3, 2, 1, vol. On s'attrape l'espace, l'espace et l'univers. L'espace. Oh, oh, oh. Vol, vol, vol. L'espace, l'espace va sans t'arrêter. Quelque chose m'a foncé dedans. Hey, oh, 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 nous aussi on nous a foncé dedans. Chouchou. On s'est tous fait rentrer dedans. On aurait dit des mouflons de l'espace. Nom d'une étoile, c'est une catastrophe. On ne pourra pas finir la course si on ne trouve pas un moyen d'esquiver ces mouflons. Ne vous en faites pas les amis, on réussira à tous les esquiver. Oh oui, il suffira de faire un écart avec nos vaisseaux pour les empêcher de nous rentrer dedans. Et pour ça, on utilisera la poussée. C'est ça ! Jusqu'à maintenant, nos moteurs ont produit une force de poussée qui nous projetait vers l'avant. Mais si on les incline selon un autre angle, la puissance qu'ils dégagent va créer une poussée qui nous projettera vers le haut, ou bien vers le bas, ou dans n'importe quelle autre direction qu'on voudra prendre. Vite ! Changement de direction de poussée ! Allez, venez, on continue. Suivez-moi. Youpi. Aide-nous à repérer les autres mouflons de l'espace. On doit les éviter pour avancer. Dès que tu vois un mouflon de l'espace, dis « mouflon de l'espace ». Mouflon de l'espace. Changement de direction de poussée. Bien joué, les amis! Quelle excellente maîtrise de la force de poussée! Il ne reste plus qu'un seul mouflon de l'espace. Tu peux nous aider à le repérer? Dès que tu vois le dernier mouflon de l'espace, dis « mouflon de l'espace ». Mouflon de l'espace! Changement de direction de poussée! On a réussi! Quelle esquive magnifique, astronaute AJ! Et quel vol impressionnant, vaisseau spatial Blaze! Regardez là-bas! Vous voyez cette planète? C'est là que se trouve la ligne d'arrivée!
Oh non, Crusher y est presque. Je vais gagner la super course de l'espace et devenir le champion de tout l'univers. Moi, Cosmic Crusher. Pour nous donner à moi et à mes amis la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce arrivé. Tout ce qu'il me manque, c'est une photo de moi en train de gagner la course. On a réussi. On a gagné la super course spatiale. Dites les amis, la course est peut-être terminée, mais il me semble que nous, on est toujours dans nos vaisseaux spatiaux. C'est vrai ça. Ça vous dit qu'on se fasse une dernière petite balade, la tête dans les étoiles? Avec plaisir. Oh, alors c'est parti. 2, 1, 1. Fonce à travers l'espace, l'espace va sans t'arrêter dans la galaxie jusqu'à l'arrivée. Oh, 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 l'espace. Oh, 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 vole dans l'espace. Il a des profondeurs. Tenez-vous prêts. Le départ est imminent. Tu diras à Blaze quand il faudra démarrer. Quand le feu vert s'allume, dis « Partez !» Et il nous indique de suivre cette direction. C'est parti! C'est un peu étrange. Je n'aperçois aucun autre participant dans les environs. Je suis d'accord. On a dû prendre une mauvaise direction. Une très mauvaise direction! Attention! C'est pas vrai! Ces drôles de canons aquatiques envoient des algues en forme de boulet. Si on veut reprendre notre course, on va devoir trouver un moyen de passer à travers ce champ de bataille. Vous avez entendu? C'est une étoile de mer. Et on dirait qu'elle est forte en karaté. Salut l'étoile de mer. Tu crois que ton karaté pourrait nous aider à traverser ce champ de bataille aquatique? Ce coup de pied sauté est terrible. Tu es prête, étoile de mer? On compte sur toi pour nous ouvrir la voie. Sous-marin en action! Attention, je sens qu'ils vont nous envoyer d'autres boulets. Comptons combien de boulets aquatiques arrivent vers nous. Compte avec moi. 1, 2, 3. Trois découpages et que ça saute. 1, 2, 3. Et regardez, on retombe sur le tracé de la course. Mais avant d'y arriver, il va falloir passer ces derniers canons aquatiques. Compte les boulets avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile avec notre bonne étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci pour ton aide, étoile de mer. Oui,
Grâce à toi, on est à nouveau dans la course. Allez, plus de temps à perdre. Il faut qu'on rattrape notre retard sur les autres participants. Sous-marin... En action! Blaise, tu as vu? C'est le sous-marin de Crusher. Et voici le grand château de sable qui représente la ligne d'arrivée du Grand Prix des Profondeurs. Si on ne se dépêche pas, Crusher va la franchir en premier. Certainement pas! Parce que même sous l'eau, je peux compter sur la vitesse explosive! Pour nous donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhou! Je déclare vainqueur du Grand Prix des Profondeurs! Victoire, on a réussi! Ouais! Félicitations, Blaze! C'était une sacrée course! Merci, les petits crabes! Et comme tu es arrivé à la première place, regarde ce que tu remportes! Waouh! C'est une coupe! Exact! C'est la coupe des profondeurs! Pendant toute la course, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. Tu sais, il faut voir le bon côté des choses, Crusher. Au moins, nous, on n'a pas à s'inquiéter de ces volcans. Des volcans? Oui, certains de ces sommets sont remplis de lave-fusion. Heureusement pour nous qu'ils ne sont pas en éruption. Pas encore, dis-moi. Mais voyons ce qui peut se passer si j'utilise... mon rayon réveilleur de volcan. Oh non! Le rayon réveilleur de volcan de Crusher fait cracher de la lave en fusion à ces volcans! Ça, c'est un gros problème! Heureusement, on sait inventer des machines qui peuvent nous tirer de toutes les situations! C'est vrai! On va utiliser le génie mécanique! On doit concevoir une machine assez puissante pour fendre l'air, comme un jet! Mais il faut aussi qu'on puisse refroidir la lave de ces volcans en éruption! Donc il faudrait que notre machine ait des canons à eau! Ouais! On a inventé le tout premier jet à canon à eau Monster Machine! Canon prêt à arroser! Wouhou! Notre machine fonctionne! L'eau a bien refroidi la lave et le volcan s'est éteint. Aide-nous à bien repérer les volcans pour que je puisse les arroser et les éteindre. Quand tu vois de la lave, dis « lave ». Lave ! Ça fonctionne ! Mais il ne faut pas se relâcher. Si tu repères encore de la lave, dis « lave ». Lave! Wow, ouais! On a réussi, Blaze! On a évité tous ces volcans en éruption! Bon, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir cette course! Blaze et AJ, autour du monde! Aussi Blaze! Oh, on dirait une sorte de jet à canon à eau! Je me demande s'il n'utiliserait pas le génie mécanique! Décale-toi un peu, je dois tricher une dernière fois pour gagner! Blaze, attention! On a évité la catastrophe! Oh non, regarde! Crusher est quasiment à la ligne d'arrivée.
Il est assez près, oui, mais la course n'est pas terminée. Activation de la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Et le grand vainqueur de cette course autour du monde est... J'ai du mal à le croire. On a fait une course tout autour du monde et on a gagné la plus grosse coupe du monde. Eh oui, rien ne peut nous arrêter quand on travaille en équipe. Blaze et AJ, autour du monde. D'après la carte, la clé verte sertie d'une émeraude se trouve quelque part dans le coin. Ah, dans ce cas, ouvrons l'œil. Quand tu verras la clé, dis clé. Clé. Ah, la voilà. Une petite minute. C'est bizarre. Je vois un autre navire avec un camion longue corne au gouvernail. Nom d'un requin baleine. On dirait bien... des pirates à longue corne. Oh, oh, ces pirates à longue corne n'arrêtent pas de nous rentrer dedans. Ouais, les bateaux tamponneurs, c'est leur jeu préféré. Oh, oh non, les pirates à longue corne nous bloquent l'accès à la dernière clé. C'est une calamité. Jamais on n'arrivera jusqu'à la clé. Mais non, ne baisse pas les roues. Je sais comment éviter les longues cornes. On a besoin d'une machine capable d'emporter leur bateau à bonne distance. Il nous faut un canon à vortex. Souviens-toi, un vortex est constitué de fluides qui circulent en formant un tourbillon. Dans un canon à vortex, le fluide qui tourbillonne, c'est de l'air. Et il tourne de cette façon. Si un tir d'air tourbillonnant atteint le bateau des pirates à longue corne, le bateau va être propulsé loin de nous. Alerte ! Il y a un pirate à longue corne qui fonce droit sur nous. Aide-moi à pointer mon canon dans la bonne direction. Si on dirige le canon par là, le vortex va-t-il toucher le bateau du pirate ? Non. Barbereau, dirige un peu le bateau vers la droite. Entendu, AJ. Et maintenant, le vortex peut-il toucher le bateau du pirate ? Oui ! Yo-ho, vortex ! Capitaine Longcorne ! Si on dirige le canon par là, le vortex va-t-il toucher le bateau de Capitaine Longcorne ? Eh non ! Barbereau, change de cap ! Entendu ! Et maintenant, le vortex peut-il toucher le bateau de Capitaine Longcorne ? Non ! Il faut rediriger le canon vers l'autre côté ! D'accord ! Et maintenant, le vortex peut-il toucher le bateau de Capitaine Longcorne ? Oui ! Yo-ho ! Vortex ! Allons chercher la clé verte sortie d'une émeraude. Elle est à nous. Oh, hardy, hard, on a trois clés parce qu'on vient de prendre la clé. Vous êtes prêts, matelots? Prenons les clés et testons-les. Clé bleue sertie d'un saphir. Clé rouge sertie d'un rubis. Clé verte sertie d'une émeraude. Le coffre s'ouvre. J'espère que vous êtes prêts.
On va enfin découvrir le contenu du coffre au trésor. C'est... des ballons en or. Regardez, il y a autre chose. Des instruments de musique en or. Nom d'un requin-baleine. De beaux chapeaux de pirates en or. Des chapeaux, de la musique et des ballons. Je n'arrive pas à le croire. Le fameux trésor du coffre, c'est... une fête de pirates en or. Nom d'un enjoliveur tout neuf. C'est le grand sphinx. Oui, c'est moi. Et vous qui traversez à toute vitesse le désert, qui êtes-vous? On est des Monster Machines. On fait une course. Oui, on doit rejoindre le toit du monde. Oh, je vois. Dans ce cas, je dois vous avertir. Il faut que vous soyez extrêmement vigilant si vous voulez traverser ce désert. Et pourquoi, Sphinx? Ce désert paraît calme, mais il est truffé de pièges des sables. De pièges des sables! Grand Sphinx, tu connais un moyen qui pourrait nous aider à franchir ce piège? En effet, j'ai quelque chose qui peut vous être utile. En assemblant ces pièces, vous allez pouvoir fabriquer un objet qui vous permettra de passer ce piège. Une poignée, une armature en métal et une pièce de tissu. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets? Voyons ça tout de suite. Essayons d'assembler l'armature et la poignée. Maintenant, mettons la pièce de tissu dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? Un parapluie. Oui, c'est ça. Grâce à lui, on va pouvoir se protéger des projections de sable. Allez, Blaze, essayons pour voir. On a réussi. Le parapluie nous a protégés. À toi, Darrington. Tiens, attrape. Trop fort. Ouais. Bien joué. On a tous réussi à passer. Maintenant, en avant. Il faut reprendre la route. Maintenant, rien peut arrêter Zek. Enfin, presque rien. Wow, une pyramide géante. Ce piège est encore plus dur à franchir que les autres. Non, d'une cowgirl. Comment faire pour passer de l'autre côté? Je parie que le grand sphinx a quelque chose pour nous. Oh, j'ai dit, je parie que le grand sphinx a quelque chose pour nous. Grand sphinx? Ne vous inquiétez pas, Monster Machine. Je vais vous aider à vous envoler au-dessus de la pyramide avec ceci. Une nacelle, une enveloppe de tissu et un brûleur qui produit de l'air chaud. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Eh bien, tu vas voir. Je vais installer le brûleur sur la nacelle. Et ensuite, je vais attacher l'enveloppe de tissu à la nacelle. Regarde, l'air chaud monte dans l'enveloppe et la gonfle. Ça fait décoller la nacelle. Waouh! Qu'est-ce qu'on obtient? Une montgolfière! Oui! Allez, vite, les amis! Grimpez! Air chaud monte et fait voler montgolfière! Au revoir, grand sphinx! Merci de nous avoir aidés! Au revoir! Au revoir. Continuez votre route, Monster Machine! Vous pouvez encore remporter cette course! Il y a un problème. On dirait que le brûleur commence à s'éteindre. Comme c'est l'air chaud qui nous permet de voler, ça veut dire que si le brûleur n'arrive plus à en produire, on va... s'écraser! À mon signal, suivez-moi! C'est parti! Wouhou!
Génial! Ouais, bien joué! C'était un voyage incroyable! Allez, les amis, la course n'est pas encore terminée! C'est vrai! On peut encore franchir la ligne d'arrivée avant Crusher et gagner la course vers le toit du monde! Monster Machine, il est temps de se remettre en route et de foncer! Voilà la ligne d'arrivée! Là-haut! On est presque au sommet! Yeah! Et on est en train de rattraper Crusher! Allez, si on se dépêche, on peut gagner la course! Quoi? Blaze et ses amis rattrapent leur retard! Ils n'abandonnent donc jamais! Je dois faire quelque chose, il faut que je triche! Il faut que... je détruise ce pont! Blaze, regarde! Méchant! Ça être très méchant! Vous pouvez plus me battre! Je suis en haut près de la ligne d'arrivée et vous, vous êtes coincés tout en bas, tous ensemble! Je déteste dire ça! Mais Crusher a raison! Le seul moyen d'atteindre l'autre côté, c'est de sauter! Mais aucun Monster Machine n'a jamais sauté aussi loin! On dirait qu'on ne va pas pouvoir arriver au toit du monde, finalement. Oh. Attendez une seconde, les amis. On ne peut pas s'arrêter maintenant. On est des Monster Machines. Et les Monster Machines n'abandonnent jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Blaze? Eh bien, on ne s'arrête pas de rouler. Et je sais comment on va faire. Si on utilise la vitesse explosive, on pourra tous sauter de l'autre côté, tous ensemble. C'est incroyable! Yeah. Aide-moi! J'ai besoin que tu me donnes de la vitesse explosive comme j'en ai jamais eu! Suffisamment pour moi et pour tous mes amis! Pour nous faire atteindre la vitesse explosive, crie... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Yeah. Un tonnerre d'applaudissements pour les champions de la course au toit du monde! Darrington, Sarla, Zeg, Saït, Agent et Blaze! Mec, c'était trop genre... genre totalement... Ah, c'est pas juste! C'est moi qui étais censé gagner! Moi! 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 Ah! Sérieux? Ah! Hé, Crusher! Je vois pas ce que tu voulais dire par qu'il t'arrête pas de rouler! Eh ben, c'est probablement ce qui pouvait arriver de pire! Oh non! Oh. Hey! Regarde-nous! Zeg, montez très haut!